Ça me fait penser quand j'étais en armée, on entendait les canettes de verre, le chef faisait vider les sacs. Nous sommes sur le tombe des 47 renins qui avaient vendu leur seigneur. Non, je suis pas mort. Et par hasard, nous avons trouvé le dernier des survivants. Mystère Bigot. Non, c'est une réincarnation. Là, ouais, c'est oui, c'est une réincarnation. T'es pas pris, tiens, je te donne les trucs qui vont continuer, je vais faire un tour. Monsieur André Hervé se promène parmi les samouraïs. Je suis le dernier des samouraïs du dojo brestois. Ah. Ah bah ouais hein. T'as vu le truc d'encens qu'il y a? Ouais. Et tu vois, ils ont tous la même marque hein, au départ. Et, hein, ah oui. Là. Tu vois? Ici. Après c'est, ça doit être les noms. Je sais pas. Là, si tu passes. Regarde, celui-là, c'est. Ah, là t'as le deuxième nom. C'est pas la même inscription. Deuxième idéogramme. Sur le côté, c'est pareil, là au milieu aussi. Non. Voilà le premier. Ah. Je sais pas si c'est les noms ou les katakana ou en kanji. Ah, on sait pas. Il n'y a pas d'explication. Ils mettent de l'encens. Endroit très, très calme, et de l'autre côté, là-bas, c'est le boulevard. Il y a monsieur André Hervé, qui est là, en touriste, et dont je sers de guide. Bien honorer la mémoire. Je sers de guide, je suis guide bénévole. Ça fait la quatrième fois que je viens ici, moi. Là, ça doit être le seigneur, là. Peut-être, ou le chef. Hein?